On va reprendre à partir du moment où le flingue tombe. D'accord ? Hassan, c'est normal dans ton personnage que tu te mêles pas des histoires de la classe. Mais quand même. Mais quand même. Là, il se passe quelque chose. Donc, t'es pas obligé de te lever, encore que. Enfin, là, si tu veux, j'ai un poisson, tu vois. Comme ça, et je dis, tiens, Hassan, il fait encore la sieste. Il y a quand même un flingue. Voilà. Il y a un flingue, il y a quelque chose. Donc, autant quand il déconne, toi, tu t'en mêles pas, il te gonfle. Autant là, quand même, tu t'intéresses à la situation, tu vois. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu me fais. Comme As, après, je regarde l'arme, je fais ça, et après, t'as que j'y vais. Ok? Voilà, et là, j'y vais. Ouais, ça va, lui, là. Il est OP, hein. Mousse, là. Ah, il est OP, hein. C'est quoi les bails? Allez, on va y aller. Tout le monde en place. Ça tourne. Vous sortez, vous allez chez le principal. Vous chien. C'est impossible. Juste faire comme j'ai dit, c'est sur la tête de ma mère. Je savais pas. Cette fois, je savais pas. Vous sortez, vous allez chez le principal. Déjà bien tendu, mais pas encore méchant. Par contre, quand ça démarre, alors là, il faut que tu sois beaucoup plus agressif que ça. D'accord? Ouais. Allez. Parfait. C'est pas nous, t'as. J'ai pas emprunté. Les mecs, ils vont nous tuer si on leur ramène pas leur affaire. Je vous jure. C'est rien passé. Faut juste faire comme j'ai dit. Et sur la tête de ma mère, vous arrivez pas à faire. Non. Cette fois, je savais pas. Je savais pas. Vous sortez, vous allez chez le principal. Marseille, là, mais non, pas que plomb, hein. C'est rien, ma chérie. T'es dès qu'on va te lever juste après. Comment tu vas rentrer chez toi? Goubert, ça va commencer. T'as une idée de ce que ça va te faire, hein? Deux bêtes de bambou là qui te ramènent en même temps, salope. T'arques jusqu'au bout de la phrase, jusqu'au bout du sens. T'as une idée de ce qui va te passer après, quand tu vas rentrer chez toi, bien pervers, bien pour la faire flipper. D'accord? Hein? C'est mieux. C'est pas intelligent, tu peux faire beaucoup mieux. Et là, tu pratiques pour la suite, pour quand ça va être sur toi. Vas-y. Tu viens? C'est comme si tu fais un headbox avec quelqu'un et que le mec te fait ça en face. Tu peux pas balancer. Là, c'est pareil. Dès le début, pas nous, dame. Pas aussi près, hein. Mais dès le début, c'est pas nous, dame. Déjà, t'as la voix qui porte. Déjà, t'es super menaçant. Déjà, il faut qu'elle ait très peur. Pour elle, pour l'aider pour son jeu. Tu vois? Là, c'est trop gentil. On a besoin d'un mec plus méchant que ça, en fait. Et il y a quelque chose qui te gêne pour le faire plus agressif ou... Non, moi, je ne savais pas. Hein? Je savais pas qu'il fallait être agressif. D'accord. Il fallait avoir peur. Non, mais t'as raison, parce que c'est les intentions qu'on avait travaillées. Mais pour là, pendant qu'on est sur elle, que de l'agressivité, que de l'agressivité. D'accord? Allez. Ouais. Je vais pas sur ta gauche, je préfère que tu viennes plutôt sur ta droite. Partez! C'est pas un nom, dame. J'ai emprunté. Mais tu es sur l'armée pour leur affaire. Je vous jure. Il s'est rien passé. Il faut juste faire comme j'ai dit. Ils sont la tête de ma mère. Ouais. Attention d'avoir les bruits. Silence, ouais. Silence, ça tourne, silence. Partez. Est-ce pas nous, dame? Je vais emprunter. Les mecs, ils vont nous tuer si on leur amène pas leur affaire. Je t'entends pas. Les mecs, ils vont nous tuer si on leur amène pas leur affaire. Je vous jure. C'est rien passé. Faut juste faire comme j'ai dit.
sur la tête de ma mère, vous arriverez à rien. Je ne saurais pas. Cette fois, je ne saurais pas. Vous sortez, vous allez voir le principal. Tu pètes les plombs, hein. Salut, ma chérie. Des fois, tu tombes en énergie, des fois, tu fais... Vas-y, ma chérie, tu vois. Hein. Et comme elle a besoin de ça pour mettre en état, c'est normal. Pour être en larmes en face. Si tu l'agresses pas, si tu lui fais pas... Si tu lui fais pas peur, elle peut pas. Tu vois, bah, si on la refait, si on la refait... Tu vois, dans la méchanceté, du début jusqu'à la fin, tac, 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 tac. D'accord? Comme un animal. Tu te sers de tout. Tu te sers de ce que te dit Jean-Paul, tu te sers de l'énervement parce que je sais pas qui t'a mal parlé, ou tu te dis, tu vois, tu te sers de tout. Tu vois ce que je veux dire? Comédien, ça prend tout pour le remettre dans la scène. Mais par contre, tu lâches pas. Tourne. Laisse 2 minutes. Non, tourne. Laisse pas 2 minutes, tourne. On l'aura pas. C'est mieux quand même. On y va. Allez, attention. Moteur, partez. M'approche pas. M'approche pas. Dans la merde maintenant. Une prof qui boit ses élèves. Putain, j'ai morflé. Refais ça, Yann. T'es dans la merde maintenant. Dans la merde maintenant. Vous avez monté un tout petit peu le pistolet. Ouais, voilà. Dans la merde maintenant. Prof qui prend ses élèves. Tu vas morfler. Jean-Paul, je ne peux plus. Je pense qu'il lui a beaucoup de fait. C'est-à-dire qu'il se casse la main dans tout le monde. C'est pas la même situation. Ce serait beaucoup plus violent. Alors, on apporte de l'eau à Yann. On apporte de l'eau à Yann. On lui laisse prendre l'air, on le laisse se calmer. Il l'a fait. Et bravo d'avoir fait. Et maintenant, il va vers l'obscénité sur les bits, sur tout ça à la fin. D'accord? Et sur le bout, refait un truc cool comme on avait vu. J'essaye de la madouer. C'est pas à nous, tout ça. Hein? Sois libre, sois fort et attaque quand tu attaques. T'es plus fort. T'es plus fort que tout. Hein? Ok. Reste pas en plan, tu vois. Quand t'as des petits arrêts, mets-toi des trucs dans ta tête. Allez, au départ. Mais putain, vous me tuez à la merde! Plus personne ne bouge! Ah, tu vas toi là, reste tranquille! Vous allez chez le principal. Vous touchez pas à ça. C'est compris? Vous sortez, vous allez chez le principal. Vous sortez! Pousse-toi! Hey, mais t'as trop pris la confiance, toi! Vous allez chez le principal. C'est pas un homme, Tom. Je l'ai emprunté. Et les mecs, ils vont nous tuer si on leur amène pas leur affaire. Je vous jure, il s'est rien passé. Faut juste faire comme j'ai dit, et sur la tête de ma mère, vous arriverez à rien. Je céderai pas. Cette fois, je céderai pas. Vous sortez. Vous allez chez le principal. Tu peux te couper. C'est rien, ma chérie. Recule-toi. Tu t'imagines comment on fait ta vie juste après? Réponds-toi. Recule-toi. Recule-toi. Est-ce que t'as idée comment tu vas rentrer chez toi? Au 22 boulevard Belleville. 4e étage droit. Hein? T'as idée de ce que ça te fera sentir deux bites, deux grosses bites de bamboula te ramenant même toi, salope, hein? Arrête de déconner, putain! Ta gueule, toi!